Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Nouvel épisode de Solve du mobile. On s'était arrêté au puzzle 160. Donc dans cette vidéo, nous allons faire le puzzle 161 au puzzle 170. Alors, comme la précédente vidéo, nous allons construire donc le système d'équations à résoudre. Et si le système d'équations ne se résout pas facilement, donc avec des méthodes simples, on va passer sur le logiciel ISCAS pour résoudre ce système. Allez, c'est parti. Alors, niveau 161. Alors ici, ça va être assez simple. Nous avons 10. Donc, 2 ronds, 10 valent 10. Donc, un rond va 5. 10 moins 5, 5. Donc, 2 losanges va valoir 5. Donc, un losange va valoir 5 demi. 5 demi fois 3, ça fait 15 demi. Donc le carré vaut 15 demi. Au niveau 161, résolu. Alors, niveau 162. Alors, l'hexagone, on va le noter H. Le triangle, on va le noter T. La lune, on va la noter L. Et le cœur, on va le noter C. 64, 64, 32. 32, 16, 16, 16, 16, 8 et 8. Ah, une lune. Deux lunes valent 4, donc une lune va valoir 4. Alors, ici, une lune vaut 4. Donc 16 moins 4, 12. Un triangle va valoir, donc 12 divisé par 2, 6. Donc un triangle vaut 6, un hexagone vaut 1, et le cœur, ici, donc 6, 6 plus 1, 7, 16 moins 7, 9, donc le cœur va valoir 9. Donc, hexagone 1, triangle 6, lune 4, cœur 9. 162 résolu. 163. Alors, 40, 40, 20, 20, 20 et 20. Ici, on a 4 losanges. 4 losanges. Va valoir 20, donc un losange vaut 5. Un losange vaut 5. Et ici, donc, il va falloir résoudre un système d'équations. Donc, on va noter T, triangle, C, un cercle, lune, LU, et losange, LO. En fait, le losange, on connaît déjà sa valeur, donc on n'a pas besoin. Lune, L. Donc, ici, donc on a 2T plus une lune est égal à losange, on sait que c'est 5, 20 moins 5, 15. Un cercle plus une lune est égal à 20. Et 3 triangles plus un cercle est égal à 20. Donc on va résoudre ça sur XCAS. Donc les solutions, c'est 3 pour triangle, 11 pour le cercle et 9 pour la lune. Donc 3 triangles, 11 cercles, 9 lunes, 5 losanges. 3, 11, 9, 5. Alors, puzzle numéro 164. Alors, on va noter. Cercle, CE. Cœur, CO. Lune, L, U. Trapèze, T. Et le losange L. Donc en fait, on aura comme système d'équation. Donc ici, on peut mettre 1, 1, 0, 0, 7, 7. Donc, deux lunes plus un trapèze. Donc, deux lunes plus un trapèze, c'est égal à 1. Un cœur plus
plus un losange, c'est égal à un losange plus de lune, c'est égal à 0. Une lune plus un cœur plus un trapèze est égal à 0. Deux cœurs plus un cercle plus trapèze est égal à 7. Un trapèze plus un losange plus une lune est égal à 7. Donc on peut résoudre ce système sur ISCAS. Donc voici donc les solutions sur ISCAS. On a donc le cercle égal à 8, le cœur qui est égal à moins 3, la lune qui est égal à moins 2, trapèze 5 et 4. Moins 3, moins 2, donc moins 3, moins 2, 5 et 4. Voilà pour le puzzle 164, 165, donc 72, 36, 36, 18, 18, 9, 9. Alors, un losange va valoir 3, une goutte va valoir 9 demi. Alors, ici, 36, 3 plus 3, 6, donc il y a 30. Donc il va rester ici 15 et 15. Donc 3 carrés, c'est 3 carrés, ça va être égal. Donc 3 carrés, 15. Donc 1 carré égal à 5. 5, 18 moins 5, 13. Donc 3 cœurs égal à 13 tiers. 13 tiers. Puzzle 165 résolu. Puzzle 166. Alors, puzzle 166. Alors, 160, donc on a 80, 80. On a 40, 40. 20, 20. 10, 10. Donc, ben, le triangle c'est 10. Losange c'est 5. Et cœur c'est 20. Donc, ici on a 10, donc tout ça, 40 moins 10, 30. Donc si on note X, le cercle, et Y, la lune, on sait que 2X plus sera égal à 2Y plus 10, et que 3X plus 2Y égale à 30. Donc ici on va pouvoir soustraire les deux. Donc on aura ici 2x moins 2y égale à 10. 3x plus 2y égale à 30. Donc ici 1, 2. Si on fait 1 plus 2, on va avoir 5x est égal à 40. Donc 5x égale à 40, x égale à 8, x égale à 8, donc le cercle vaut 8, et la lune va valoir, donc 3 fois 8, 24, plus donc 6, donc c'est la valeur de 2 lunes, donc une lune va valoir 3. Alors ici on va pouvoir avoir des valeurs. Donc ici c'est 16. Ici c'est 16. Ici on a un cercle 8 et un losange 5, donc 13. 13, 13. Donc ici le losange va valoir 5. 32 plus 5, 37. Donc ici on va devoir avoir 37. Donc ici nous avons 13 plus 13, 26. 37 moins 26, 11. Donc, hexagone 11, 37 plus 37, 74, donc le carré ça va être 6. Donc au final, le cœur vaut 20, le cercle vaut 8, le carré vaut 6, le losange vaut 5, le triangle vaut 10, la lune vaut 3 et l'hexagone vaut 11. C'est ce que j'ai mis ici. Donc l'hexagone va valoir 11, l'hexagone vaut 11, donc voilà, le puzzle 166 est
résolu. 167. Donc ici, 20. 20. 19. 19. 5 cœurs valent 20, 1 cœur vaut 4. Donc 1 cœur vaut 4. Ensuite, 4 et 4, 8. Donc, on aura à résoudre l'équation suivante. Donc, 19 moins 8, ça fait 11. Donc, x plus y égale à 11. 2x plus y va égale à 20. Et 2x plus z égale à 19. Donc x plus y égale à 11. 2x plus y égale à 20. 2x plus z égale à 19. Donc on va pouvoir résoudre ça sur x casse. Donc on devait résoudre x plus y égale à 11. 2x plus y égale à 20. 2x plus z égale à 19. Les solutions, x égale à 9. Y égale à 2. Z égale à 1. X égale à 9. Y égale à 2, z égale à 1. Donc on a dit x c'était la goutte, y c'était le triangle, et z l'hexagone. Donc triangle 2, goutte 9, hexagone 1. Donc résolu. 168. Donc puzzle 168. Donc on sait que le carré c'est 1. 54, 54, ici, 27, 27, 27, 27. Alors, on va essayer de compléter goutte, donc c'est G, lune et cercle. Alors, ici, nous avons donc 5 gouttes. Plus une lune égale à 27. 3 gouttes plus 3 cercles égale à 27. Donc on peut dire aussi que G plus C égale à 9. Ici, 3 cercles plus 2 gouttes plus 2 lunes égale à 26. On peut dire aussi que 2 cercles est égal à 2 lunes plus, alors 2 cercles, bien entendu, 2 cercles plus 1 égale à 2 lunes plus une goutte. 3 gouttes plus 2 cercles plus 2 lunes est égal à 27. Alors on peut mettre ça sur Xcas. Donc avec Xcas, on obtient le cercle vaut 4. La goutte vaut 5 et la ligne vaut 2. Donc ici 4, 5, 4, 5, 2. Voilà. Puzzle 169. Ici on a 16. Ici on a 16. 8, 8, 4, 4. Le cœur vaut 2. Donc ici 16 moins 2, 14. Donc ici 7. 7. Donc un cercle va valoir 7 demi. Et donc 7 demi, donc 4 moins 7 demi. 8 moins 7, 1 demi. Donc une goutte va valoir 1 demi. Ce qui équilibre bien la balance. Dernier puzzle, 170. Donc 52, 26, 13. Alors, losange, hexagone, triangle et goutte. Alors, 3 hexagones plus
un triangle égale à 26, un losange plus un hexagone égale à 13. Alors ensuite, 3 losanges plus une goutte égale à 13. 4 triangles plus un losange égale à 13. Et bien entendu, si on a 4 losanges plus 3 triangles égale à 26. Donc on va pouvoir résoudre ça sur ISCAS. Donc on trouve losange 5, hexagone 8, triangle 2, donc triangle 2 et goutte, moins 2. Et voilà pour le puzzle 170. Voilà pour cet épisode de Solvi Mobile. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.